puis voir ce que ça donne. Don't go with the devil. Il était une fois dans un endroit magique appelé Lady Cruel. Il y avait deux frères nommés Cuphead et Bugman, ouais. Ils vivaient sans se soucier. Oui, sans se soucier du regard de leur vieil oncle. Ben non, de la vieille théière, finalement. Un jour, les deux garçons se sont éloignés très loin de la maison. Malgré les avertissements de leur vieille théière. Se retrouvant sur les mauvais côtés des pistes, ouais, et se sont retrouvés dans le casino du diable. Intéressant. À l'intérieur, Cuphead et Mugman ont vite trouvé... se sont vite retrouvés à gagner à la suite sur une table. Ok, table de jeu. Ah oh, mon dieu! S'exclamait le roi du... le roi des... le manager du casino. Ah, ces garçons ne peuvent pas perdre. Joli, genre. Joli, les gars. Rigolin, un nouvel arrivant. Eh, les frères Gaspé. C'était le propriétaire du casino. Le diable en personne. Now, how about we raise the stakes? Donc, et maintenant, si on augmentait la mise? A-t-il suggéré avec un petit sourire en un coin. Si vous gagnez une fois de plus... Ok, gagnez une fois de plus et vous gagnerez tout ce qui appartient à ce casino. Je dévile boum. Mais si vous perdez, j'aurai vos âmes. Il... Sympa. Cuphead, aveuglé par sa possibilité de devenir facilement riche, accepta et attrapa l'idée pour les jeter. Oh mon dieu, Cuphead, non! Cria Mugman. Car il avait compris le danger, mais il était trop tard. Snake Eyes. Ouais, les expressions aussi. Se marra Léville, le diable, en frappant sur le sol. Il a perdu! Les frères tremblèrent de peur pendant que le diable s'avançait vers eux. Maintenant, parlons de vos âmes. Alors, les frères supplièrent pour leur vie. Il y a sûrement un autre moyen de vous payer. Béga Mugman. Oui, s'il vous plaît, monsieur. Ajouta Cuphead. Peut-être qu'il y en a un. Le diable un parchemin. Il y a ici une liste de débiteurs. Ils ne m'ont pas payé. Attrapez leurs âmes pour moi et je pourrais peut-être vous pardonner les deux. Maintenant allez-y! Le diable cria, balançant les... Oui, botant le cul des deux gamins en dehors, brutalement. Vous avez jusqu'à minuit demain pour collecter toutes ces âmes. Autrement, je récupérerai les vôtres. Il a l'air sympa. Cuphead et Mugman, totalement terrifiés, courèrent le plus loin et le plus vite possible. Allez, Mug. Nous devons trouver la vieille théière. Il doit savoir ce quoi faire. Oui, il peut sûrement savoir quoi faire, effectivement. C'est chargement et sympa. Un peu long, mais sympa. Quel sacré pétrin vous... Dans quel sacré pétrin vous vous êtes embourbés tous les deux, hein? Je sais que vous ne voulez pas être les larbins du diable. Mais si vous refusez, je ne peux pas imaginer ce qui pourrait vous arriver. Vous devez jouer avec ces règles pour le moment. Allez récupérer ces contrats. Mais vous devez être
prêt à agir pour le... pour de la baston, il va y avoir des sales affaires, quoi. Les débiteurs de votre ami ne seront pas très amicaux une fois que vous les confronterez. En fait, je suppose même qu'ils se transformeront en de terribles bêtes. Prends cette potion. Ok, d'accord. Ça vous donnera de fantastiques habiletés magiques. Maintenant, va à mon bureau d'écriture et utilise cette encre mystique ici. Vous avez besoin de vous préparer pour toute cette merde finalement. Hello Arte, comment ça va? On va faire le tuto. Hein. Et là. Ok. Ok. Faut sauter, ouais, c'est ça. Ok. Ok. Le pari. Extra move. Ça doit être rond. C'est rond. Ok. Récupérer les pièces pour acheter les choses dans le shop. Ok, d'accord. Bon, bah, ok. On va faire ça. C'est parti. On m'a dit que ce jeu était fort sympathique, il est temps de tester ça. Bon, bah, je me casse. Hein. Me casse, pépétaillère. Aller affronter le monde cruel et monstrueux qui nous entoure. Sablier est génial. D'accord. A l'air sympa présenté comme ça. Coucou toi. Hey les gars. On dirait que vous êtes parti pour, hein. Eh bien, j'étais du genre à être comme vous. Toujours à me retrouver plein dans les ennuis. Courir, sauter, tirer. Maintenant, je préfère genre me poser et regarder et faire quelques images. Mais bon, laissez-moi vous donner un petit coup de main. Prenez ça. Vous recevez 3 pièces d'or. Oh mon dieu. Ok, d'accord. Fantastique, je suis content de la prendre. Pork Rain's Emporium. Ok. Welcome. Ma coucou. Alors, longue distance avec moyen damage, ouais. Pas besoin de viser. Bizarre. Alors, gagnez un point de vie en plus, mais baisse votre attaque, ouais. Courte distance, mais gros dégâts. Vous pouvez rester proche de votre adversaire. Ouais. Vous ne prendrez pas de dégâts en dashant. Une bonne manœuvre de défense, ouais, ça ne m'étonne pas. Je vais prendre ça parce que de ce qu'on m'a dit, le jeu est sympa, donc... Bye. Alors, tu dois t'équiper de ce que t'achètes si tu veux les utiliser. Regarde tes cartes équipées. Yabams, abruti, crétin, truc dans le genre. Menu équipé, c'est triangle. Ok. Ok, donc il y a les shots A, les shots B, les super et les charmes. Donc ça, c'est la smoke bomb que j'ai pris. Liste. 1, 2, 3, 4. Oh. Ok. Bon, bah, on va commencer par ça, ça ressemble à un niveau. Forest Follies, Run and Gun. Ok. Ah, c'est sympa. Petit claquement dans le doigt. C'est sûr. Je pense que je vais rester appuyé sur le tir. Allez, sort. Je peux le parier, ça? Ouais. Ouais, quand même. Ça prend cher pour rien du tout.
Ah, et Paris, c'est un petit peu au poil de cul, hein. Ah, quand même. J'aurais bien que je pouvais tirer vers le bas aussi. Oh là. J'aurais peut-être essayé de mettre les dashs sur... Ah, j'ai ça aussi. Ah, bon, c'est efficace. Oulé. Oh merde! Oh oh oh! Olé! Élève-toi! Ok, j'ai réussi! Ah, le tir, c'est des buts de claquement de doigts là. C'est rigolo. À moins! Oh, ça va, je le vis bien. Faut faire avec, c'est pas trop mal. Cuphead! J'ai vu un truc en bas. On peut faire ça avant. The Rootback in Botanic Panic! Difficulté, régulière et simple, d'accord. Régulière. On va pas mettre ça en facile quand même, un peu honteux. Oh, une patate douce. Une patate. Une patate de quoi? Olé. Olé. Oh là. Oh, oh, oh. T'es un peu trop près, toi. Je pense que je dois éviter les larmes. Ah tiens, il y a des larmes que je peux parier. Merde, j'ai pas réussi à la parier celle-là. Oh bah je la parie pas. Voilà. Ah. Une carotte. Eh merde. Je pensais que ça passerait. Visiblement non. Voilà. Faire ça comme ça, hein. Merde. Bon, bah. Faire ça comme ça, du coup. C'est sympa. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Supermetteur. C'est quoi le supermetteur? Faut que j'utilise des supers, c'est ça? Et j'en ai pas utilisé, du coup ça a rien fait. Parce que ça fait de gagner de plus ou moins de... Je sais pas pourquoi la connexion déconne par moment. Soul contract, root back. D'accord. J'ai récupéré l'âme du... Ok. Je serais l'oncle d'un singe et je me mettais à mettre mon argent dans la banque. De tout ce que je sais, le diable la contrôle probablement. Et ils ne toucheront jamais à mon heure. Si je le dépose un peu partout. D'accord. Et si quelqu'un s'avère à trouver d'une pièce ou d'autre, tant mieux pour lui. C'est ce que je dis. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est ça? Ribbon Croaks in Clip Joint Calamity! Ok. J'avais entendu dire qu'il y avait beaucoup de boss, vu qu'à la base le jeu devait être composé que de ça. A brawl is surely brewing.
Et des grenouilles. Prenez ça, pourriture! Qu'est-ce que c'est? Pas envie de les laisser. Eh, hey, viens! Oh! Merde, j'ai pas réussi à le pari. Prends ça! Qu'est-ce qu'il fait? Ok, d'accord, c'est bon. Plus de peur que de mal. On distribue un peu pour les deux. Ah! Prends ça! Pitoche ça! Ah! Non, ça passe pas. J'aurais dû dasher. C'est original, Keita. Bon retour parmi nous, comment vas-tu depuis le temps? On va retry. Donc attends, là d'abord faut se concentrer sur lui. Et ces saloperies de mouches lucioles, mes couilles là. Non, je vais m'éloigner. Ah voilà, là je l'ai parié. Tiens, prends ça. Allez. J'ai tellement pas envie de les parier ces machins là, ça pue la merde. Tiens, prends ça avant de rouler. Ok, dans le doute. Tiens! Oh là là là! Ça commence. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi les deux ils... Ah! Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Les serpents. Ah! Pario! C'est rose, ça a un lien avec le pari? Ouais, d'accord. C'est un lien avec le pari du coup. Tigre. D'accord, maintenant bientôt. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et t'as fini, oui? Ouais, bah. Tiens, pareil. Taureau. Ok, d'accord, taureau. Oh, c'est par rapport à là où il y a la flamme. Bon, ça. Ah! Aïe! Aïe! À faire serpent, donc c'est celui de que j'ai pas fait encore. Yay! Mais moi ça va aussi. J'essaye Cuphead là parce qu'on m'avait dit que c'était un jeu sympa. Effectivement, c'est marrant. À moins. Bah ça va, moi je prends quand même et j'accepte. Cuphead! Ribbon Crooks! Connaissez les lags moi, oui. Non mais je crois que tout le monde en a un petit peu, j'ai des pertes par moment. Quoi ça? Guppy le Grande, Rose of the Ovenous. Ok. D'accord, bah on va faire avec. Qu'est-ce que c'est que cette gelée Dragon Quest là qui. Oh putain! Je sais pas ce qu'il faisait, mais ça me puait. Ça puait la merde. Merde. Je commence à confondre les boutons, ça ne va pas du tout. Tu bouges pas. Prends ça. Qu'est-ce que tu me fais? T'es un peu gros là quand même. Merde. Je pensais qu'il allait pas s'arrêter. Oh, qu'est-ce que.
Et on va. C'est passé. Tiens, prends ça, tu bouges pas. Prends ça, tu bouges pas. Y'a pas eu de knockout, donc je... Ok, ça devrait bien se passer si je mongolise pas. Failli mongoliser. Oh putain. Niveau stress ce con. Ok. Le truc on dirait une goutte d'eau. Ouais, c'est vrai que... Moi ça me faisait penser au blob un peu à Dragon Quest là, mais... Ça arrête plus ou moins. Il y a des trucs à Paris dans ce niveau. Comme quoi. Et moi. Il y a des choses à Paris mais on m'a rien dit. Hop. Goupil le Grande. J'ai 6 pièces. Welcome. The first parry move is automatic. All you need to do is jump. C'est marrant. On va prendre ça. Coffee. Autofill meter, super meter continuously fill, c'est... Ok, donc le super meter ça remplit tout seul. En addition de ce qu'on gagne. Pourquoi pas. Après, je dois les équiper, donc je vais être limité. Le point quand il était en P2. D'accord, il se parie le point. Donc qu'est-ce que j'ai là? C'est que des charmes. Oh, c'est mort. Garder mon dash d'invincibilité, moi. Ah, il y a un chemin par là. Oh, j'ai grugé. Marrant, ça. J'ai pas envie de gruger, moi. C'est quoi par là? C'est rien du tout. J'ai cru. Et qui, toi? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez tous les deux voler dans un avion comme je le fais? Vous ne vous assierez pas dans un cockpit tant que vous n'aurez pas étudié ces schémas. Blueprint, schéma, je sais plus ce que c'est. Aeroplane blueprint. Entrez. J'entre dans un schéma. Carré pour tirer. Cercle pour le spécial. One meter, ex-attaque. Full meter, super bombe morph. Alors, triangle c'est pour shrink. Ici c'est pour le pari. On va regarder ce que ça fait du coup. C'est sympa l'animation. Ok. Pour mieux éviter ça? Des trucs n'ont rien oublié. D'accord. If you say so. Y'a des trucs non mais oublié. Et c'est à ce point là, Keita. Du coup c'est un niveau aérien là. Hildaberg, Sritenin Zeppelin. Ok. On va la défoncer. Coucou. Il me fait penser à Betty Boop. Oh, attends, il me tire des A là. Ah merde, je pouvais parier ça. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pas confiance. D'accord, donc ça c'est son attaque en fait. Merde, je pouvais le pari. Aïe.
dirait que je vais plus vite quand je fais ça en fait. Qu'est-ce que c'est que ce merde de tornade là? Hurry! L'assaut! Oh merde, ça s'arrête là. Ça s'arrête au premier contact. Je suis un peu tristesse là. On attaque avec des constellations, sinon on en parle. Arrêtez tout de suite tes conneries, toi. Puis quoi encore, tu vas m'attaquer avec la mienne aussi de constellation, tant qu'on est. Il serait pas incohérent. Allez, c'est le moment, y'a rien. Vas-y, t'arrives, t'as un mal de crâne, ma pauvre chérie. Un gros mal de crâne. Attends. Ah ça? C'est très joliment dessiné. Oh. Oh. Il y en a un qui le fait tôt et un qui le fait tard. Ok. J'étais au poil de cul. Ouais, c'est particulier. Nouveau record, ouais. Ouais, ouais, ouais. Une lune, ouais. La drogue, c'est mal, les enfants, souvenez-vous-en. Hilda Berg. Berg. J'sais pas trop. Switch up trouble. Run and gun. Run and gun. Tu sais ça? Pourquoi y'en a qui rebondissent, y'en a qui roulent? Oh! Y'a du rose. Voilà! Ouais! Non! C'est pas passé du tout, j'aime bien ça. Oui! Non! Non! Rendez-les-moi! Rendez-les-moi! D'accord, je suis obligé de recommencer. J'ai pas envie de laisser des pièces, moi. Ok, d'accord, on va éviter de faire ça maintenant, à l'avenir. Qu'est-ce que... What? T'étais tombé, toi? Ça va. Une mal à Paris. Ok. Non? Pas Woody Woodpecker. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, je t'avais pari, toi. Ça passe pas le pari. J'arrive pas. J'arrive pas les paris. Mais je voulais Paris, ça. Là, il faut un timing pour Paris. Merde, je l'ai pas Paris. Je vais juste faire mes 3 paris le plus tôt possible. Putain, trop de balles. Qu'est-ce que c'est? J'ai réussi. J'en reviens pas moi-même. Auteur communiste. T'approche pas, toi. Insecte de mes couilles. Ça merde, créature du démon quoi. Oh putain, okay.
Ok. Ok. Il est long ce niveau. Bon, j'ai ma petite idée. Et c'est passé. Être soulagé que ce soit passé, je dois admettre. Que j'ai eu un moment de doute. C'est passé. Mais j'ai vraiment pas passé. Oh oui. Ah non, oui. Ils sont pas tirés dessus, eux. Oh, tuez-les. Ah, qu'est-ce que... Non. Pourquoi j'ai pas sauté assez haut? Woody Woodpecker. Effectivement, il ressemble à Woody Woodpecker. Mais j'ai pari! Qu'est-ce que tu veux que je fasse de mieux? Ah, mais non! C'est dégueulasse, bon, ça sert à rien. Avec une vie. Oh, bah on va continuer, hein. On va faire ça comme ça. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah, j'ai perdu mes couilles dans le processus, oui. Ok, ça passe. Oh! Oh putain, ça passait pas, ça dans ma tête. Ok. Non, oui. Ok, c'est bon. J'ai fait mes trois paris, ouais, non, c'est bon. Je n'y touche plus. Enfin, je peux, je touche, mais... Je voulais bien que je pouvais orienter le tir comme je le voulais un peu. Mais je peux le parier ça. Putain, c'est le niveau de l'enfer. Avec des troncs tout moches. Et des insectes à la con aussi. Tiens, prends ça. Et ça, et puis ça, et ça aussi. Okay. Oh putain. Oh y'a un nom. J'ai plus qu'à point de vie pour faire la suite. Et qu'est-ce que c'est que cette idée de merde? Il claque des doigts à chaque fois qu'il tire. Ok, maintenant. Ah! C'est bon. Pourquoi tu t'en vas, mon enfant? Le jeu n'est pas à ton goût. Ok. M'en vais comme... Oh mon dieu, comme quoi? Et que va-t-il dire? Eh bien moi... J'ai envoyé la référence en MP. J'ai peur de ce que je vais voir, mais allons-y. Voilà! Ah non, mais c'est beaucoup trop long, garçon! Oh là là là! Mais c'est beaucoup trop long!
beaucoup trop long. Mon dieu, il m'a envoyé un roman, quoi. Il y avait quoi par là, déjà? Il avait traversé ou pas? C'est quoi, ça? Impression. Préparez-vous, esprit. Non, partez, esprit. Oh, attends, mais tu es réel. J'étais sur le point de te frapper avec un bon vieux pari. C'est comme ça que tu te débarrasses des fantômes par ici. Seulement un idiot tenterait de tirer dessus comme s'il était réellement là. En parlant d'aller quelque part, est-ce que vous voudriez bien bouger? Vous effrayez les poissons. D'accord. C'est Rosolé. D'accord. Maintenant, on s'occupe de jouer à Ghostbusters, c'est ça. Here's a real high class bout. It's on. Particulier cette histoire de fantôme. J'ai bien eu peur, j'ai cru qu'il allait l'atteindre. Cette musique de l'épouvante. Du mon dieu, j'ai peur des fantômes. Victory! Je m'en veux. Oh mon dieu! Je ne sais comment vous remercier les enfants de m'avoir sauvé. Vous sauvez ma nièce. Je ne me suis même pas présenté. Je suis connu comme le légendaire Calice. Enchanté de vous rencontrer. J'étais en train de chercher de la magie et j'ai été piégé par ces fantômes. En parlant de magie, accepte ce cadeau si ça pourrait aider. Il y a d'autres mausolées autour de l'Ilinkwell. Je me demande juste. I just wonder. Ah oui, je me demande. C'est bien ça. On a cassé un mausolée et du coup on a gagné un nouveau super. Oh, mais quelle gourde je suis! Tu ne dois pas oublier d'activer ce super art magique dans les menus avant de l'utiliser. Ouais, donc il y a trois mausolées en fait. Une attaque dévastatrice qui part de ta tête à l'horizontale uniquement, au sol ou en l'air. Donc ça, c'est comme le délire de l'avion avec la bombe nucléaire, en fait. On m'a donné la possibilité de... envoyer une nuke. Hein, je peux atomiser le monde, en fait. Enfin, bref. Alors, je peux pas monter par là. Je suis obligé d'emprunter cet escalier, là, quoi. Qu'est-ce que tu regardes, mon petit? My ship? Ok, mon bateau. Ce n'est pas ma faute. J'étais trop occupé à me battre contre ces débiteurs de casino. Maintenant, je dois économiser afin de réparer ma lame. Donc aide-moi, j'aimerais que quelqu'un puisse... vaincre le roi des... Le poutré. Je sais pas trop quoi. Pogny Carnation in Floral Fury. Encore être un légume. A brawl is surely brewing. Ah non, c'est une fleur assez menaçante. C'est sa tête le focus. D'accord, donc ça fait des...
Qu'est-ce que c'est que ces merdes? Ah! Et donc ça, c'est ce qu'il avait fait en bas, du coup. Venez, les carottes! Eh merde, j'ai fait un dash dans le mauvais sens, du coup, je me suis tout mangé dans la... Je peux le pari, ça? Non? Non, je peux pas le pari. Je peux peut-être parier les graines. Je devrais peut-être prendre le tir de tout à l'heure. Là. Le truc qui fait du x3. Là. Ça, je peux pas le... Ah, il y en avait un rose, là, je viens de le voir. Je l'ai bugué, il attaque plus. Ah! J'ai vu l'autre agir tout à l'heure. Ici, tu m'envoies des... Oh ah, ah oui, c'est un peu violent ouais, quand même. Ah non, 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 j'ai dit. Ah, plus qu'une vie, plus qu'une vie. Oh, le knockout de l'amour. Oh. Il est arrivé bien trop tard ce knockout. Bam bam bam. Kenny Carnation. Ouais, un dé géant, on va voir. D'abord je vais aller acheter le deuxième tir là parce que ça pourrait m'être utile. Je peux mettre un shot B là. Ça fait que je vais pouvoir switch pendant que je joue, logiquement. Selon la situation, ça peut être pratique. Quelque part. Peut-être. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui dépasse le Star Wars. C'était pas qu'une impression! The Die House! Ok. Maison de la mort, du coup. Switch weapon. I'm Mr. King Dice. I'm the gamest in the land. Eh, ça passe la musique. I'm never playing dice. I'm the devil's right hand man. I can't let you pass, cause you ain't done. Bref. Well, hands are the peep. Yeah, c'est ça pour une... Pas coïncidence, je sais pas. Putain, ils disent des vieilles expressions à la con. On dirait que tu as réussi à mettre la main sur ces débiteurs, oui. Tu peux donc te diriger vers la prochaine île, hein. En somme, plein de travail reste à faire, en gros, un truc dans le genre. Traduit un petit peu au schnapps. Les gars, attendez! Chers messieurs étoiles d'avoir réussi à vous rattraper! Je crois que j'ai trouvé un moyen de vous faire sortir de cette merde! Oh god! Réellement? Votre puissance est en train d'augmenter! Vous serez bientôt capable de défaire le vilain roi D et peut-être même le diable en personne. Sérieux, tu le penses vraiment? Je le pense.
mais vous ne pourrez jamais vous rapprocher du diable tant que vous n'aurez pas ses contrats dans la main. Seulement à ce moment, vous aurez une chance de retourner la table sur votre ami. Et à ce moment, quand le temps viendra, faites la bonne chose. D'accord. C'était la leçon de Papy Teyer. Un quatuor de clown qui a manqué un personnage. Qui a déjà entendu parler de ce trio de barbiers? Si seulement on pouvait trouver un quatrième membre, on pourrait... Si on ne peut pas trouver de quatrième membre, on ne sera jamais aussi bon, oui, d'accord. Sois un pote et aide-nous à en trouver un, veux-tu? Tu peux être planqué dans le décor, non? Je suppose. Vas-y, cause. À travers toutes tes batailles et toutes mes rimes, tu as échoué et est mort 4 fois. Pas très gentil de me le rappeler comme ça, quand même. Genre, je t'ai rien demandé. Mais je vous jure. Oh, ma neige. BP the Clown in Carnival Kerfuffle. Vas-y, je suppose. T'as vraiment une sale tronche, toi, par contre. Y'a des canards. Oh! Non, j'ai pas fait ce que je voulais. Et non, j'ai pas lâché. J'ai pas réussi à le pari, donc. Balloon. Mais c'est bien plus simple ainsi. Tiens, prends ça sur la tête. Non, ça te fait rien en fait. Ah, il y a un manège derrière. Attends, mais il m'arrive dessus en fait le manège. Eh, hey, c'est pas... pas cool. Ok, donc je suis pas obligé de le... Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Paris! J'ai pas réussi à Paris. Ok. Oh merde. J'ai pris l'après-coup. Toc toc, qui est là? Charlie? Charlie qui? Charlie le cheval! Bon. Il fait peut-être des blagues pires que ma communauté par moment. Dans cette phase-là, ça va, c'est pas... Voilà, je vous ai fait. Ok, j'ai réussi à le pari, celui-là. Et... Ça, pourriture communiste!
Le pari, c'est toujours bien. Et... crotte. Il est pas mort! On va me casser, hein? Voilà. Héros aux flaquettes. Tout à fait. Ça fonctionne comme ça, ce serait... Ouais, il y a des hauts et des bas. Oh, il est arrivé un peu plus vite que je ne l'attendais. Que tu es là? Qu'est-ce que c'est que ces merdes-là? Je peux les laisser en vie, moi. Ils sont invincibles tant qu'ils sont pas en place. Comment t'appelles une tasse qui tombe? D'accord. Okay, donc maintenant on a le manège qui arrive. Voilà comment je les ai paris. Ah, je vais m'en débarrasser le plus vite possible de ça. Oh merde! Mais non, mais je prends forcément des coups. Putain, je prends forcément des coups derrière lui. Ah, bon, bah, mon nombre de tentatives va drastiquement augmenter avec ce côté-là de l'île, je sens. Ouais, mais il me les balance quand je tire pas dessus. Dégueulasse, moi je pensais qu'il les lâchait que quand je tirais dessus. Genre j'étais épargné, tu vois, si je faisais rien. Mais non, même pas. C'est quand même vachement laid. C'est même pas la peine d'essayer, je ne m'en sortirai pas. Et j'ai mon équipe de maths. Ok, donc là je peux le parier. Logiquement c'est le bon timing. Ok, c'est bon. Putain, j'avais oublié que je pouvais esquiver. Et je suis encore à 1 HP à la phase finale, c'est fantastique. Vas-y, ça tombe. T'es quand même vachement laid comme ça. Effectivement, le... l'autre connerie, il va vite. Oh putain! Non, ça, c'est pas... C'est horrible comme truc de mort, là. Ah. Le stream qui est mort, visiblement. Je regarderai ça après, Keita, mais... Bon. Oh.
Pépi the Clown. Ah, du coup, j'ai vendu son âme, donc il peut pas vous être utile. Bon timing, les gars. Je viens juste d'ajouter une amélioration sur mes planeurs. Maintenant, vous pouvez wallop vos adversaires avec des bombes. J'ai changé juste d'arme quand ce... Jusqu'en chat de tente. Ok. Regarde le lien après, mange pas devant l'écran, regarde dans la vidéo. Bah, d'autre côté, tu tapes docteur dans un truc de recherche YouTube, il doit y avoir des opérations dégueulasses avec du cul et des conneries comme ça. Bon, ça va faire une heure, donc je vais faire ma petite pause.